This is the new revolution inventions invented by the Hong Kong Polytechnic University. It can replace a lot of dummy because it can change to different sizes and for clothing and fitting. And so this is a very sophisticated product for the fashion industry. This iDummy has been protected by the patent application through the WIPO, and we have also applied the PCT to get the IP protection as well. Un inventeur, il n'a qu'un souci, c'est commercialiser son invention. Donc nous ne faisons pas un salon pour amuser le monde et les journalistes, nous faisons un salon pour que nos exposants puissent rencontrer le distributeur, le fabricant ou le financier qui l'aidera à promouvoir son invention et à la commercialiser. Les exposants qui sont ici, pour venir, ils doivent avoir un brevet d'invention ou en tout cas un titre de propriété intellectuelle. Ça, c'est une condition que nous tenons, ce que d'autres salons ne font pas, parce que nous voulons que s'ils ont des contacts professionnels, qu'ils ne soient pas copiés, parce qu'il faut savoir que le brevet d'invention ne protège pas seulement l'inventeur, il protège le fabricant, il protège le distributeur. Donc pour nous, il est essentiel. Et vous savez, en plus, on a le patronage de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc nous nous devons et nous voulons que la propriété industrielle soit respectée dans ce salon. We develop a contact length, a special contact length with a sensor in it that is able to monitoring the intraocular pressure over 24 hours in order to be able to manage correctly the glaucoma disease. We have international protection, so we file a PCT patent. For us, it was quite obvious to start with a PCT because it's a technology that could be applied worldwide, so that's the way we did it. And I think it's a good way to do it because you have 3 years where you still can choose which country you want to apply. So if needed, you can reduce a little bit the cost or choose the country where you think you will have the best market for your technology.